On va se taper une grosse raclette, 1500 calories, ça va se faire plaisir. Exactement, mais juste avant, on va faire un training, histoire de pas culpabiliser, de la démonter comme jamais la raclette, sans prendre un gramme. Et c'est parti pour 40 minutes d'entraînement. Il y a une raclette à évacuer, à consommer. PJ va vous expliquer tout ça. Et directement, on attaque avec l'échauffement. On sautille, on piétine sur place. Le but, c'est de se réchauffer. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire l'entraînement au milieu de la neige, comme nous. Non, je vous mens pas, il fait froid. Ça va faire que booster la dépense calorique, donc c'est bien. Encore une fois, c'est en temps réel. Ça veut dire que vous faites tout avec nous, on fait les temps de repos ensemble. On fait vraiment tout ensemble. Là, sur l'échauffement, vous suivez Alex, il change d'exo. Vous suivez. Allez, talons fesses. En gros, on a fait, d'ailleurs, on a l'application maintenant TrainView. Tu peux calculer ton besoin calorique journalier, mais hors sport. C'est-à-dire une journée, vraiment, où tu calcules ton métabolisme de base. Nous, on a calculé, on est à 2250 calories. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on doit manger une journée où on fait pas de sport. Ok, parce que bien sûr, quand tu fais une séance très muscu ou autre, bah, tu vas consommer 4, 5, 600 calories de plus, voire même encore en plus. Donc, tu manges plus. Donc, 2250 calories. Ce qui veut dire que sur un repas, nous, c'est 900 calories. 900 le midi, 900 le soir, on est à 1008, 450 au petit-déj sur un repas, enfin sur une journée à trois repas, on répartit comme ça. C'est ça, c'est approximatif, voilà. Mais c'est ça, bien sûr. Donc, un repas normal, on aurait mangé 900 calories. Ce qui fait qu'on n'en prend pas de gras, on peut en... Voilà, c'est juste métabolisme de base qu'on dépense, qu'on mange. Une raclette, c'est 1500 calories. Une vraie raclette, attention, une raclette qui se compose de 3 grosses pommes de terre, 8 tranches de fromage, 3 tranches de bonne charcuterie, donc des grosses tranches. Et bien sûr, quand on mange une raclette, on se fait plaisir jusqu'au dessert. Un bon petit dessert, une bonne pâtisserie. Donc ça fait 1500 calories à un repas, bien sûr, ce qui est énorme. Devant, on enlève les 900 calories de base qu'on est censé manger. Donc ça fait 600 calories de plus. Comme on doit manger 600 calories de plus, on a 600 calories à brûler et donc 40 minutes ensemble pour brûler 600 calories. Yes. Et ça fera une journée où la balance sera équilibrée. On aura dépensé 600 calories de plus, on en aura mangé 600 de plus. Journée équilibrée. Bien sûr, ce soir, c'est un repas normal, 900 calories avec glucides, protéines. Bien sûr, vous allez nous voir la démonter. Cette raclette que vous voyez apparaître là. Bien sûr. On a fait les courses avant. On va la tuer. Allez, jumping jack. Allez, il nous reste 1 minute 30 d'échauffement. Allez, faut bien échauffer au niveau articulaire, au niveau cardiovasculaire. J'ai toujours peur de passer à travers là. J'espère que vous aimez bien. Vous allez tout faire avec nous. Les exos, les temps de repos, on vous lâche pas pendant les 40 minutes. Bien sûr, à chaque fois, vous aurez des options de difficulté un peu plus facile pour ceux qui en peuvent plus. Ce qui est important dans ce type d'entraînement, c'est de surtout pas lâcher. On laisse les bras ici, on continue les jambes et on fait des petits cercles. Je te jure, j'ai l'impression que mon corps il se réchauffe pas. C'est vrai, pareil. Je pense qu'il y a les tétons qui pointent, la chair de poule. Allez, montez de genoux. En automate, on vient placer les mains. Chaque côté des genoux. Il nous reste 40 secondes d'échauffement. Allez, on partira direct sur le premier McLeod Lunges. C'est défente. Nous, on va se mettre de profil. Vous nous verrez de profil. Un petit pas chassé, une fente sur le côté. Je vais vous montrer une fois après, au ralenti. Yes. Et ça sera parti. Premier circuit de 3 minutes. Allez, on aura le repos. Un peu plus haut, un peu plus vite. Bien sûr, tous ceux qui peuvent pas 15 secondes faire d'impact, n'hésitez pas à faire la même chose sans les sauts. En marchant, mais on met de l'amplitude. On met un maximum de vitesse. 5 secondes. 3, 2, 1. Petit pas chassé. Je coupe une tête. Fente. Ok, c'est parti. Boom. Allez, ensemble. Pas chassé. Boom. Tac. Pourquoi McLeod? Pour Duncan McLeod. Coupe la tête. L'immortel. Fente. Et coupe les têtes. La tête. Avec son épée. Jouez sur l'amplitude. Vous allez voir. C'est très long, 3 minutes. Et tous nos circuits de la journée vont faire 3 minutes. Boum. Ceux boom. Qui ont déjà fait Beauty Time ou Wolf, vous connaissez ce type d'entraînement. C'est comme ça qu'on transforme les gens en 28 jours avec des séances qui changent tous les jours, bien sûr. Au poids du corps, sans matériel. C'est bien quand il y a un petit courant d'air
bien froid. Ouh. Essaye d'être puissant. Là. Boum. Un vrai coupage de tête. Je me réchauffe pas, je sais pas toi, mais... Non. On a fait une minute de ce circuit. On a fait qu'une minute là. Ouais. Fallait pas me le dire, gros. Boum. Allez, allez chez vous. Belle amplitude. Un bon petit pas chassé. On vient couper la tête. Rotation du buste. Allez, courage, on tient bon. On va bouffer cette raclette. Sans culpabiliser. On n'est pas dans la raclette light. On est dans la raclette de montagnard. On est à la moitié de ce circuit, ok? Ouais, ça chauffe. Boum. C'est vrai que ça réchauffe quand même. Ouais, ça y est, ça commence. Mais que les cuisses. Ouais. Tu vois? C'est un entraînement full body. On va travailler tout le corps. Et c'est comme ça que vous consommez un max de calories, sachant qu'on ne peut pas beaucoup cibler une perte de poids. Ce qui est important, c'est de faire travailler tout son corps musculairement et bien sûr le cardio. Encore une minute. Boum. Là. Allez, une bonne amplitude. Faut la mériter cette raclette. Là, on a déjà enlevé la peau, ou pas d'ailleurs, la première patate. Ah. 30 secondes, allez. Allez, on y va, on y va. On tient bon. Je sais pas si vous voyez, mais il se met un petit peu à pleuvoir. C'est grave. Dégueulasse. Agréable. C'est de la pluie neige. Ça glisse. On est bien. Allez, puissant. 4 secondes, on fait une dernière. Ouh. Soufflez. Une minute de récup. On récupère une petite minute. C'est le moment de boire un petit coup. Si vous avez soif, on essaie de boire régulièrement des petites gorgées. Ah, voilà. Elle est gelée, c'est bien fait. On enchaîne quoi? On va faire The Explosion, il s'appelle. C'est 6 pompes, un squat jump vers l'avant, 2 fentes arrière, 10 jumping jacks, 6 squat jump, 2 fentes arrière, 10 jumping jacks, ok? Yep. Ça va piquer, on est là pour ça. 6 pompes, squat jump vers l'avant, fente, jumping jack. Okay. N'hésitez pas à utiliser les niveaux plus faciles si vous en pouvez plus. 10 secondes. Mais on s'arrête pas. C'est bien, c'est qu'on n'a pas prévu de bouteille d'eau. Non, non. Mais t'es un c'est peu con. C'est bien de le faire 3, à la sèche. 2, 1, go, 6 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, squat, fente, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6. Fente. 1, 2, 3, 4, 5, allez, chez 6, vous. 7, 8, 9, 10. Pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en panique de glisser. Je vois ça. 1, 2, 3, 4. Je me rétame dans la neige. 7, 8. Il n'y aura pas 9, de quête. 10. Ah, il n'y a pas de quête, c'est pas grave. Allez, 6. Comme à l'époque des Bootam Express. 4, 5, 6. C'est vrai, on a commencé YouTube avec ce type d'entraînement. C'est vrai, hein? Bon, que 12 minutes. 1, 2, 3, 4, on va tourner 10, 6, c'est ce que j'allais 7, dire. 8, 9, 10. Allez. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, si vous avez 7, des voisins en dessous, faites-les criser. Il y a tout qui glisse.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit, allez, allez. Neuf, dix. Le temps ? On a 10 minutes de circuit. 5, 6. Il nous reste 45 secondes là d'effort. J'ai une bonne nouvelle. 5, 6. Vous savez où on en est ? 8, non ? Là, on a déjà consommé une patate, wow, deux tranches de fromage, deux, trois, une tranche de charcuterie. Ah, ça va vite! Allez, 20 dernières secondes. Là, t'es en plein kiff déjà, quatre, dans ta raclette. 5, 6, c'est vrai. 8, 9, 10. On finit les pompes, il reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Debout le squat. Ok, soufflez. Ok, 1 minute. Deuxième circuit terminé. 1 minute de récupération. Ah. Allez, c'est cadeau le crachat. T'avais oublié, t'as cru qu'il y avait. Alors, vous avez vu les produits Fitness Boutique ? N'oubliez pas, c'est le code promo AlexPJ10. Surtout Fitness Boutique, vous avez 10% de réduction. Donc le prochain. Abs and bum on fire. Ah ouais. Abdos, fessiers. On va faire 30 secondes, 30 secondes. 3 tours de circuit. Relevé de bassin, main au sol. Et ensuite relevé de jambes. Allongé sur le dos. Et c'est gelé et mouillé. C'est pas agréable du tout. 10 secondes. Allez, on se met en position. Sur les mains. Les mains dans la neige. Ah, là, là. J'ai 5 pas secondes. Assez froid aux mains. Ah, j'ai dangereux là. Allez, go, c'est parti. 30 secondes relevé de bassin. C'est plus cool au niveau sans cardio. Sans poser les fesses. Ok. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur les fessiers. Ah, la main dans la glace. Oui, oui, t'inquiète. Il m'a regardé, genre, il était jaloux si moi j'avais pas froid, tu sais. Ah, ça y est, t'inquiète, je suis en plus mes doigts. Allez, plus haut. Allez, allez. On est là, on veut se faire plaisir pendant les fêtes. Coup de sgeg. Pardon, je l'ai dit fort. Si on veut se faire plaisir, tape. Eh ben, c'est ça qu'il faut faire. Oh. Du sale, tout simplement. Si c'est facile, les mains derrière la tête, sinon bras long du corps, c'est trop dur. Fléchissez vos genoux. Oh, les doigts. Allez, on va faire 3 tours comme ça. Cinq secondes. Combien? Allez, allez, on tient bon. On Top. Est ensemble. Hop. Ah putain, les doigts. La prochaine fois, on prévoit des gants. On prévoit une bouteille d'eau chaude, un thé. Un fond vert aussi. Un fond vert. Pour ajouter la neige. Boum. Ouais. On a voulu mettre un peu d'esthétisme à la vidéo. Cette vidéo, tu la partages à toute ta famille, tous tes amis. À tous les mangeurs de raclette. Top. Pensez toujours à bien rentrer le nombril, aspirer le ventre, rentrer au max le nombril, concentrez-vous sur vos abdos. Encore sur 10 secondes. Sans tirer sur la nuque. Allez, allez, on monte bien haut les talons. On retient bien la descente. Top. Dernier tour. Boum. Allez. On monte. Bien sûr, travailler les fessiers, les ischios jambiers. Ton petit boule. Voilà. Travaille ton boule. Tu as un boule qui chamboule. Surtout que derrière les, la patate. Allez, bien se loger au bon endroit. 2, 1, on reprend 30 dernières secondes. Ça veut dire 30, ce qu'il a dit là, ça veut dire 30. Mais quand on a la mâchoire gelée, c'est difficile. Rien d'axe allemand. Ah.
Ah, j'avais la main droite dans la neige à chaque fois là. Faut les relever. C'était pas ouf. Allez, chez vous. Là, vous devez commencer à sentir. 10 secondes. Les abdos, peut-être un peu le bas du dos. On retient la descente. On se laisse pas tomber. Ouf. Pas. Top. Pas ok. Soufflez, relâchez. Troisième circuit. Ah. On est terminé. À 15 minutes d'effort sur 40. En vrai, ça va vite. Hein. Ouh, les dos. Ah là, la raclette chaude. Petite tranche dessous, là, de charcuterie. Cornichon, pas cornichon? Non, petit oignon grillé. Ah, tu vois. Ouais, petit oignon caramélisé. Comment ça me dire, tu mets des champignons, des tomates et tout, dites-nous dans les coms. Moi, je vois pas des raclettes avec des champignons et des tomates. Hein. Allez, encore à la rigueur, des oignons, je veux bien. Allez, 20 secondes. Donc, on va faire 4 fentes. Coup de poing du côté de la jambe avant. Donc, une rotation du buste. D'accord, quart de tour. Et ensuite, walk out. On y est. 4, 3, grand, 2, grand pas vers l'avant. 1, go. Boum. On change. Boum. Un coup de poing sur le côté. Boum. Boum. Les mains au sol. J'avance. Je reviens. Et on repart. Boum. Allez. Puissant votre coup de poing. On descend bien en fente. On vous cache walk pas. Out, je pose les mains. Que nous aussi, on a pas mal mangé. Et j'avance. Ces derniers temps. C'est les fêtes, frère. Ça va pas nous faire de mal. Bam. Boum. Boum. Allez, chez toi. On discute, on rigole et tout, mais c'est important de te donner à fond. Hein. Go. Boum. Tu dois sentir, bien sûr, les cuisses. Les fessiers, là on descend en position de gainage. On a déjà fait une minute de ce circuit. Mais déjà ! Mais ça passe tellement vite ! C'est vraiment. Je vois pas le temps passer. Je n'en dis même pas que ce soit terminé. C'est vraiment parce que tu kiffes. Boum ! En vrai, on devrait faire l'inverse. 3 minutes de récup. Une minute de circuit, ce serait bien. Ouais, et on fait 2h30 d'entraînement. Ouais, c'est vrai. Pour évacuer la raclette. Allez, un peu plus de la moitié de ce circuit. Sens bien les cuisses? Ah, ça commence à bien chauffer. Allez, chez vous aussi. C'est normal que ce soit dur. Et c'est justement quand c'est dur qu'on va chercher résultat. Allez, il nous reste une minute de ce circuit. Allez, allez, vous pouvez dire je l'ai fait. Ah, moins on parle, plus c'est dur pour nous. Y'a plus de blague, hein. J'ai l'impression, je regarde le chrono. Je fais un tour, je regarde le chrono, il n'a pas bougé. Ouh. Ouh. Encore 20 secondes. Ouh. Les cuisseaux. C'est là, le retour du workout le pire. Une, deux, encore une, encore une. La dernière, tant pis on dépasse un peu. Ok. Soufflez. Oh. Oui, ça pique. J'ai un petit coup. C'est marrant parce que je suis un peu essoufflé. J'ai mal aux cuisses. Mais t'en prends encore. J'ai les doigts gelés. Je comprends pas comment il se passe mon corps là. Ok. Le suivant il s'appelle To the Moon. C'est vous pas... avez compris. Il va avoir du saut. C'est pas bon signe. Il va avoir 6 pompes. Avec coup de genou alterné. Un coup droite, un coup gauche.
Ok, une pompe, un coup de genou. Ensuite, on fait deux high jump. C'est-à-dire en ramenant tout de suite, boum, high jump. Direct, un deuxième high jump et après, on récupère en talon-fesse, en marchant. C'est parti! Pompe, genou droit. Pompe, genou gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Un, deux. Oh, et j'étais perdu. Trois, oh là là, j'étais quatre, perdu. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On repart. Pompe, genou droit. Pompe, genou gauche. Trois, quatre, cinq, six. Ok. Un, deux, trois, quatre. Là, récupère un peu. Cinq, six, sept, huit, 9, 10, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais qu'on est à 21 minutes là d'effort. Oh, nouvelle étape. 6. On vient de 7, passer. 8, 9, les 10. Deux patates. 4 tranches de fromage. 2 tranches de charcuterie. 4, 6, 5, 6, 7, allez, accroche-toi, 8, 9, 10, boum, boum, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, allez. Ça va les épaules ? C'est, ça brûle, hein ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le truc que j'aime bien, c'est les talons-fesses. 6, 7, on a combien de temps ? 8, il reste 50 secondes. 2, 3, 4. Putain, encore le temps de faire un tour. Encore 30 secondes. La chaîne s'accroche. Maintenant, on va faire des pompes. Fais chier. Ah oui. 8, 9, 10, il reste 5 secondes. Sur une les pompe genoux, de chaque un côté. Plus. Une. Deux. Relâche. Ouh, piqué celui-là. Ah oui. Franchement, les 30 premières secondes, je me suis dit, ça va. En vrai, je me suis dit, ça va pas, c'est pas drôle. Le gars, il s'est battu avec l'arbre derrière, avec le sapin. L'enchaîne avec quoi, frérot? Je vais te dire ça tout de suite. Parce que là, mon face ID ne me reconnaît plus. On va faire des sprawls surf. Et après, 5 enchaînements. Coup droit, crochet, uppercut. Okay. Il s'appelle Kelly Fighter. D'accord? Petite référence à Kelly Slater. Pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre sur les deux sprawls. Et ensuite, fighter, j'ai pas besoin d'expliquer. 10 secondes. Eh hey, les gars, quand je me mets là, c'est que je m'en bats les couilles maintenant du style. De... 4, 3, 2, 1, go. J'avais oublié. Crochet, crochet. Je regarde. Et on en fait 5 comme ça. 2, 3. 4, dernier enchaînement. 1. Allez, bien souffler, 2. C'est juste cardio. Bien sûr, 3. On sent les épaules, je trouve. 4.
Le style. Plus ça va aller, moins il y a de style. Vous l'avez compris pourquoi, surfeur? Pourquoi? Ouais, parce que faites un peu la même chose que quand vous voulez passer de la position à plat ventre à la position sur les pieds. Dernière. Non, ne se tromper. Je te jure, je savais pas non plus. 1, 2, 3. Oh, t'as accéléré, salaud. 4, dernière. 5, on y va. Ah, j'ai encore les épaules. Moi aussi. Là, on travaille pas la technique de boxe. Non, c'est juste cardio. Cardio. 3. 4. 5. Allez. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas un pied devant l'autre, mais les deux pieds côte à côte, histoire de travailler de manière symétrique. Je sais plus où j'en suis. Dernière après ça. Dernière. Et on part. Oui, allez, 1. 2. Encore dernière. Deux. Ah, dernier. Il reste 30 secondes. Allez, allez. Ils sont lourds mes bras. Ah oui. 1 seconde les gars, allez. Et les filles. Et ça glisse. 10 secondes. 3, 2. L'autre. Souffle. Ok. Bien. Toujours une petite minute de récup. Allez, allez. On est sur la fin là. On va se faire plaisir. On est à combien de minutes en tout? On sera à 28 quand on va reprendre. Il reste 12 minutes d'effort. Allez. On va bientôt attaquer la troisième patate. La troisième patate. Et la cinquième, sixième tranche de fromage là. Après, il nous reste quoi? Un peu de fromage et le dessert. Hein. Si vous buvez du vin, pas de dessert. Vous faites 10 minutes de plus. Nous, on préfère le dessert. Il reste 20 secondes. Et on va faire 30 secondes de mountain climber, 30 secondes de montée de genoux. Et il s'appelle tout simplement le Kylian Jornet. Ceux qui ont la ref, ceux qui le connaissent, vous comprendrez pourquoi. On s'arrête jamais. 3. On s'arrêtera pas. 2. 1. Go. Ouh. J'adore quand ça glisse parce que ça met un peu de difficulté. Pensez là, bien serrer le ventre. Montrez pas trop les fesses. C'est dur en ralenti. Mais on s'arrête pas. Allez, allez. Quand vraiment, vraiment vous en pouvez plus, vous restez en position de planche. Stop. Allez, sur place. Toujours serre mes abdos, j'essaie de bien rentrer le ventre. Relâchez un peu vos épaules. Allez. En tout cas, la pluie s'est arrêtée, enfin la pluie neige. C'est quand même agréable. Les petits crachats. Ouais. Fait presque chaud. J'ai les mains qui se sont réchauffées, moi. Ouais, moi aussi. Ah. Mais les pieds pas encore. Mais en même temps, les pieds sont mouillés. C'est vrai. La goutte au nez. Top. Putain, c'est horrible ce sol. Ah, les épaules. Six secondes encore. Debout. À la fin de ces 30 secondes de genoux, on sera à 30 minutes. Ça veut dire... C'est-à-dire plus que 10 minutes d'effort. 30 minutes,
à la fin là, du circuit, on sera à 3 patates, 6 tranches de fromage. Et les 3 tranches de charcuterie. Désolé, le sang ne monte plus jusqu'au cerveau assez vite. Et tout dans les cuisses. Top. Et les épaules. Et on va jusqu'au bout de l'entraînement. On se dit pas ouais mais je mangerai une patate de moins. Non non, c'est les fragiles qui font ça. Vous pouvez vous faire d'autant plus plaisir sur autre chose. Allez au bout, vous pouvez. Vous avez le droit aussi faire une journée où on sèche. C'est pas interdit. C'est ça. 5. Là c'est juste histoire de la compenser. Pas prendre de poids. Top. 30 dernières secondes comme ça. Ouh. Allez. J'ai le regard vide. Et si on transpire pas, c'est qu'il fait vraiment moins 15. 10 secondes. Un souffle. Oh. 2 circuits, il nous reste. Aïe. Vu que ça va bien avec la météo, on va continuer à surfer avec le wave after wave. T'es pas obligé de faire le jump, mais bien sûr, c'est beaucoup plus dur si vous le faites. Donc on va faire des burpees, donc cette fois-ci avec la pompe. Surfeur droite, surfeur gauche. Et ensuite ça sera 4 taps. Ah c'est pas squat surfeur. Si pardon, excuse-moi, squat surfeur. Ça y est. Et puis ça m'arrange d'ailleurs. Donc squat, boum, squat. Bien sûr vous boom. Avez l'option sur 1, le saut. 2. 5 secondes. Come on. Allez, jouez sur l'amplitude. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, on repart. 1, 2, essayez de décoller. 3, 4, sur le squat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bouge. Boum. Bah. Où qui va être ce circuit? Oh oui. 1, 2, 3, 4. Parfois, c'est traître, on le sent pas tout de suite. Et d'un coup. Ah, ça fait qu'une minute là. Ouais. La relativité. Oh putain. Je m'enfonce dans la neige, gros. Un, deux, trois, quatre. Allez, allez, on descend. Ouh. Bien. Poids du corps vers les talons. Il on reste essaie. 1 minute 20. Ah. On essaie de bien pousser les fesses vers l'arrière. Sortez la poitrine. Ah. Allez, il nous reste 1 minute. Allez, on attaque le dessert là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Allez chez toi. Donne tout 30 secondes. Allez, on y va, on y va. Allez chez vous, avec nous. Et on décolle. On met de la puissance sur les coups de poing.
plus haut. Cinq secondes. On refait les squats. Ok. Il nous reste un circuit. Allez, on a fait les trois patates, les huit tranches de fromage, les trois tranches de charcuterie. Il nous reste le dessert. C'est maintenant. Alors, petit combiné. Final Fantasy. On va faire 6 pompes. Vous avez compris, c'est la journée des 6. Donc 6 pompes où à chaque fois, on va décoller les mains du sol et venir tendre les bras au-dessus de la tête. On ramène, boum, on repousse. 6 fois. Ensuite, dès qu'on sera monté, on va faire le Final Fantasy. C'est 4 montées de genoux. 4, 4. Je reviens et je refais deuxième tour. Je m'arrête quand c'est en face. C'est parti. 1. 2. Je peux pas attendre. 3. 4. 5. 6. Regardez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Deuxième tour. On se arrêtera au milieu là. 1, 2, 3, 4. Deux. 3. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Allez, montez bien les genoux, c'est le dernier circuit. 1. On s'arrête au mieux. 2. 3. Allez, sur les genoux si on n'en peut plus. 4. On s'arrête pas. 5. 6. Allez, un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 3, 4. Allez. 1. 1, 2, 3, 4. Allez. 2. 3. 4. Il nous reste 1 minute 30. 1, 2, 3. 3, 4. On s'arrête au mieux. 4. 5. 6. 1 minute plus fort. Allez. Allez, allez avec nous. Allez, on y va, on y va. On va la démonter cette raclette. Ah oui. Mais pour ça, on va jusqu'au bout. Et 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attends, on fait encore un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 10 secondes, on termine. Allez, on termine. Encore. Oh. Ouh, souffle. Yes. Terminé. On est à 39 minutes. On termine juste, on s'étire un peu. Relâchez devant. Après le training, bien sûr. N'hésitez pas s'il faut. Prenez 10-15 secondes. Je sais plus quoi dire. Une ou deux minutes de plus. Relâchez un peu. Là, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je suis mort. Allez, déroulez les jambes, le dos. Allez, toute la colonne, tout doucement. Attrapez votre pied droit. Prenez une respiration calme. On va la flinguer, la raclette.
Ceux qui ont fait ça. Le training jusqu'à maintenant, qui vont manger la raclette, mettez dans les commentaires hashtag raclette. On va voir si on a beaucoup. Inspirez, grandissez-vous. Montez la main droite. J'ai l'impression qu'Alex il est perdu. Non mais t'avais fait l'autre de la deuxième jambe. Ah j'avais pas dit de changer. Excuse. Les deux mains. Soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Oh yes. Soufflez, relâchez. Faites chauffer la machine. Les parti. Patates. Allez. Régalez-vous. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Et la raclette. Les petits cookies pour terminer. Ça termine le repas comme ça. Donc on a le droit à deux, on a calculé 150 calories de dessert. C'est deux cookies. De bien gros quand même. Hein. Ça fait du bien quand même de manger. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse comme menu pour le prochain training. On se dit à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pêche.